Bonjour et bonsoir, amis. Comment nous y? Nous espérons que nous tous bien avec mon Dieu. Nous déjà souhaitons bienvenue dans leçon aujourd'hui. Jeudi, depuis où est moi, vous avez connaissé l'équipe là qui présentait la parole. L'équipe là qui composait de Nelson Daphnol avec moi-même, Estra Vinson. L'équipe là c'est Aprende Espagnol Créole con nosotros qui ensemble avec nous. Ok? Et depuis quelques jours, nous te déjà promettons chaque deux jours nous apporter une leçon nouvelle pour vous. Ok? Et bien c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Comme dit Jovenel Moïse, c'est travail nous te promet, c'est travail notre travail. Ok? Jeudi, nous venons, et avant tout, nous voulons tout avertir que les leçons suivante là ça nous avons fait live OK, nous avons fait live, c'est-à-dire que ou pas venir sur deux jours encore ou même cap espérer nous cap tendre nous ou va venir l'autre dimanche dans l'espace huge d'accord nous pour mettre n'a venir baoul live laisse ça n'a live vous tendez cloche à faire bling dans téléphone nous mettre déjà cliquer sur nous on est nous déjà live sur YouTube pour nous parler une leçon très très importante pour le parler. Donc on a besoin, ok? Eh bien c'est ça, nous allons voter pour dimanche après. Mettez-vous attento, muy attento, mettez-vous très très suivant pour capable une leçon ça qui nous parle. Ok. Je dis nous allons parler ensemble avec vous de vocabulaire. Vocabulaire. Nous connaissons sans vocabulaire on ne peut pas parler. Ok, tout le monde qui parle en langue, il a besoin même environ 70, presque 80-90% de vocabulaire pour être capable de parler. Si vous avez un vocabulaire sur vous, même quand vous avez une radio, vous ne pouvez pas appliquer la radio parce que vous avez un vocabulaire en tête pour être capable de parler. Et puis je dis à nous pour des vocabulaire. Et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des bagailles en désordre. Ok, nous ne pouvons pas faire en désordre. Ok, nous faisons en ordre. Nous ne pouvons pas venir au vocabulaire, nous avons tant de noms. Nous n'avons pas parlé de football, nous avons vocabulaire de football, tant que nous n'avons pas le vocabulaire de l'école, ou bien de l'hôpital, ou bien de. En fait, nous ne pouvons pas avoir vocabulaire comme ça. Sinon, avoir un vocabulaire qui concerne l'hôpital, c'est tout ça qui concerne le travail. C'est comme ça que nous faisons. Je dis à nous avoir un vocabulaire qui est approprié avec l'environnement. Ok? Au lieu de nous capables de dire vocabulaire qui. Tout ça qui a rapport avec yon kay, yon maison, ok, c'est vocabulaire ça va nous parler, nous allons apprendre avec nous en espagnol jeudi, ok, yeah, vamos. En espagnol, c'est vocabularios hogares, ok, vocabularios hogares, ça m'est capable de traduire en créole, nous sommes capables de dire vocabulaire de l'environnement ou bien vocabulaire, vocabulaire de l'environnement. Ou bien vocabulaire dans la maison, dans le cahier. Ok? Nous sommes capables de faire une traduction comme ça. Ok? Hogares, c'est-à-dire environnement, tout ça. Ou bien maison, ou bien cahier. Je suis capable de dire là. Ok? Vocabulaire, hogares. Ok? Et le vocabulaire, mais tout ça. Premier, c'est espagnol. Après ça, l'autre, c'est créole. En espagnol, c'est apartamento. A. Apartamento. Nous voulons faire différence ça pour nous. Nous avons département ici, si tout pour ici, il dit département. Nous avons département où son kay qui a environ 3 pisos, 3 étages, 2 étages, 5 étages, tout. Il dit c'est département. Mais vraiment, alors, dit département, il veut dire département. Okay? En espagnol, l'autre dit département, vous voulez dire département. Mais souvent, je dis forme, ça non. Qui pour traduire un appartement ou pas dit département ou dit c'est appartement. Ok, très suivant sur ça pour nous à dire qu'on voit toujours jeune blanc chilien notre nation marconné et bon ici même nous toujours dit département mais département traduit comme département. Ok, mais pour dire vrai moi c'est appartement qui veut dire appartement, appartement il veut dire appartement. Nous allons être rapide pour ça pour nous mettre précision pour vous n'a camper sur vous. En espagnol, je dis c'est casa. Casa veut dire caille. Piso
veut dire étage, ok? Puerta veut dire porte, ventana veut dire fenêtre, llave veut dire clé, escalera veut dire escalier, palette veut dire mi, ok? Lundi mi, c'est pas mi et l'on bagaille l'on mango mi ou bien l'on fig mi ou di mi. Mi ça c'est ça, ok? C'est ça, côté le tableau en bas là, mi, espace là, ok? Côté le tableau en bas là, c'est ça, nous il est mi, ya. Yeah. Yo dit palet, qui veut dire mi. Et techo, veut dire plafond. Techo, plafond, avait dit que en l'air, kaila là, ok? Yo il est techo, qui veut dire plafond. D'accord? Ya. Yeah. Motivé, c'est quand même pour nous, ka. Plus ou est toujours ok et par nous du parler veut dire mi c'est espace ça ok côté qui en carré là dans carré là ok mi parler c'est mi techo nous dire qui veut dire plafond ok. Nous avons déjà dit, et puis nous avons esquina qui veut dire coin. Ce n'est pas coin où vous mettez vaisselle, vous mettez matériel, non, dans le cas là, non. Coin, ça veut dire que petit espace, ça, petit espace qui n'a pas coin. J'ai dit que la petit coin, qui n'a pas coin dans le cas là, c'est, je dis ça, c'est coin. En espagnol, c'est esquina. Ok, dans le coin, c'est esquina. Ok, ascenseur, je veux dire ascenseur, ya, ascenseur. Je veux dire ascenseur, ça y est monté là, ok? Vidrio, qui veut dire vite. Vidrio, qui veut dire vite. C'est pas vite l'autre du monde marcher vite non, mais c'est ça qui n'a fait net yo, qui n'a caillo quelconque, ok? Ça veut dire l'autre du monde dit il qu'on caille en vite, ok? Vite, yo dit vite là en espagnol c'est vidrio, ya. Yeah. Piscina, c'est piscine. Pasillo, c'est couloir, ok? Suelo, qui c'est sol. Sol avait dit que et terre on veut à terre ok à terre il veut dire suelo qui veut dire sol ya estacionamiento qui veut parking côté machine tout ça c'est parking c'est dit c'est estacionamiento ya est-ce que nous comprenons ok m'a toujours j'ai caméra pour nous car ça en bas yo ya vamos estacionamiento qui c'est parking. Edificio, qui c'est édifice, ok? Édifice. Go, kay nou konnen, wo ki n'importe environ 50 à 60 étages. Yo di yo, édifice. En espagnol, c'est dit, c'est edificio, qui c'est édifice. Ya. Yeah. Mm-hmm. Candenado, qui c'est cadena, ok? Front, qui c'est flé, ok? Front, flé. Candenado, cadena. Ok, front qui se flair. Qu'on y a là, nous voilà bah où tout ça qui, nous bah où tout ça qui non appartement qui non caille, non et j'aime déjà dire de caille là qu'on y a nous voilà bah où qui ça qui vous êtes capable de jouer dans un chambre caille. Ok, dans un chambre caille nous voilà bah où tout ça capable de jouer dans un chambre caille là. Ok, yo dit chambre caille en espagnol c'est habitación. Qui veut dire chambre. OK? Ou bien capable dit tout dormitorio qui c'est chambre caille, habitation qui c'est chambre, dormitorio qui c'est chambre caille. OK? Non caille là qui sont capable jeune. Ou capable jeune cama. OK? Cama qui c'est cabane. OK? Après cabane ou capable jeune non chambre, ou capable jeune armario qui veut dire armoire ou bien closet. Ok, souvent le dit et à moi capable dit closet c'est armario et ici tout yo dit closet quand souvent de yo dit closet ok closet et pas closet non c'est closet yo dit closet qui veut dire closet mais vous moi c'est armario qui veut dire à moi ou bien closet ok qui sont capable de nos chambres encore ou capable de lana en espagnol c'est lana qui veut dire laine ok cortina qui c'est rideau, télévisor
Télévisor, qui veut dire télévision. Ventilador, ventilateur. Aire, condicionado. Aire, acondicionado. Qui c'est? Air conditionné. Ou bien l'air conditionné. S'il c'est el aire acondicionado, nous établissons faire l'air conditionné. Ok. Estantería. Ya? Estantería, qui lui dit étagère. Calentador, il lui dit chauffage. Bah, ça nous même nous pas servir avec la caille, non? Haïti. Ok? Il dit calentador, qui c'est chauffage. Et ou on content de dit tout estufa. On vient parfois, vient et Chili, on dit estufa. Comprenez? Qui veut dire chauffage tout. Calentador, qui veut dire chauffage. 31, c'est interrupteur. Interrupteur, qui veut dire interrupteur. Ça veut dire où est la lumière. Clep, clep, avec deux, tu vas mettre la lampe pour éteindre. Yo dit, c'est interrupteur, qui veut dire interrupteur. Ok, 32, c'est estufé. Enchufe, est-ce que Noël? Ya? Yeah. Enchufe, qui veut dire plug. Enchufe, qui veut dire plug. Plug, ok. Ma projet pour vous, n'a pas poursuivre. Ok, non d'où? Enchufe, qui veut dire plug. Ok, ça c'est tout ça au capable de jouer. Non, chamkai. Ça, tout ça nous dit au capable de jouer non chamkai. Kounya, en ou bas ou bagay au capable de jouer dans yon toilette, dans yon bagno. Ok, en espagnol se dit c'est bagno. Bagno, qui veut dire toilette ou bien baignoire, ok? Toilette, c'est pas toilette, ou comme un nom, tu dis toilette ou bien baignoire, toilette ou baignoire. Yo dit en espagnol c'est bagno, ok? Bagno, ok? Yo dit ducha, qui veut dire douche, ok? Bah on fait différence entre douche avec baignoire, avec et baignoire ou bien avec bagno, ok? Ducha qui différent avec baignoire. En espagnol, l'on dit bagno, c'est ça qui c'est tout espace là, c'est tout petit coin, tout petit chamblan qui c'est bagno. Dans bagno, ou jwenn ducha. Ducha c'est côté pour moun nan bain. OK, pour moun nan vide de l'eau sous lit pour l'entrer pour bain. Yo dit ducha qui veut dire douche. OK? On essaie faire différence là. Espejo qui veut dire glace ou bien miroir. C'est pas glace ou manger, non, mais c'est ça ou garder visage ou. Ok? Yo dit espejo qui veut dire glace ou bien miroir. Cepillo qui c'est brosse. Cepillo qui c'est brosse. Ok. Pasta de diente qui c'est pas dent. Qui traduit en espagnol, c'est traduit en espagnol et pas dent. En créole, disons. Pasta de dientes, ya, yeah? Pasta de dientes, parce que yo dit les dents, ok, pasta de dientes, qui c'est pas dents, ok, et, comment mieux, ya, yeah. Voilà, perfume, qui c'est parfum, ok, perfume, c'est parfum, desodorante, qui faisait désodorant. Bien c'est des mots qui tout semblent à créole. Vous n'avez pas qu'à dire en espagnol, mais depuis l'écrit des mots, en espagnol, on va connaître ça, je l'ai dit. Exemple, on dit desodorante, qui veut dire en créole, désodorant. Ok. Jabon, qui veut dire savon. Gen jabon. Jabon, qui veut dire savon. Ok. Est-ce que nous voyons, il y a. Maquillage, ou bien, pour la prononciation, comme ça tout. Maquillage, parce qu'en espagnol, il y a deux prononciations, il y a deux sons. Vous avez dit maquillage, vous avez dit maquillage también, ya? Et vous avez toujours un agent, vous avez dit maquillage, vous avez dit maquillage. Ok. Qui veut dire maquillage. Et toaya. Ya, toaya qui veut dire serviette. Qui ça me dit toaya veut dire
serviette. Ya. Toalla, qui c'est serviette. Ya. Tijera, qui c'est ciseau. Tijera, ciseau. Est-ce que nous comprenons ou bien est-ce que nous ensemble avec nous là? Pas oublier après ça, n'a pas ou 10 phrases pour capable ou sens yo. N'a pas ou phrases pour capable ou sens yo. Ok. On nous continue. Ok? Confort, qui veut dire confort. Confort, c'est-à-dire que et bagaille yo utilise ton papier hygiénique, par ça yo. Ou capable de dire papier hygiénique, ou ça tout capable de dire confort. Confort, qui c'est confort. Ok? Créma, qui c'est crème. Ok? Et salon, qui c'est salon. Quand il y a un nouvel parti dans le salon, tout sont capables de jouer dans le salon. Ok? Si je dis salon, c'est salon. Qui veut dire salon. Meuble, qui veut dire meuble. Comédor, qui veut dire salle à manger. Ok? Mesa, qui veut dire table. Sia, qui veut dire chaise. Radio, qui veut dire radio. Ok? Apalado, qui veut dire appareil. Apalado, qui veut dire appareil. Il dit tout ça qui est composé. De radio, tout élément sa yo, bafio, tout sa yo, nous di yo, c'est apalado qui c'est appareil. Ok? Ya? Apalado qui c'est appareil. Bombija, qui c'est ampoule, ou bien bombilla. Ou ka di bombilla ou bombija, qui c'est ampoule. Servilleta, ok? Servilleta qui c'est napkin. Ok? Napkin. Ya? Alfombra, qui c'est tapis. Lampara qui c'est lamp. Reloj, dans des prononciations. Reloj qui c'est réveil. Plancha qui c'est fait, mais c'est fait à repasser. Ok. Refrigerador, qui c'est frigidaire. Ya? Lavadora, qui c'est machine à laver. Ok? Sofa, qui veut dire sofa. Ok? Sofa, qui veut dire sofa. Ya? Câble, qui veut dire cap. Ok, fil courant ça nous connaît ça câble, nous nous connaît ça câble. Câble qui c'est câble, limpier ça qui c'est nettoyage, escoba qui c'est balai, escoba limpier ça qui c'est nettoyage, escoba qui c'est balai, ya 65 ans. Trapeo, qui veut dire nettoyer. Detergente, qui veut dire détergent ou bien liquide. Ya? Liquide, ça ou la veille, tout ça, si vous dites detergente ou bien détergent, mais liquide. Ok. En particulier, en partie cuisine. Cuisine, vous dites en espagnol, c'est cocina. Qui veut dire cuisine. Ya? Dans la cuisine, vous avez un plateau. C'est plate. Vous avez un tenedor, fourchette, cuchara, qui est. Cucharon, qui c'est gros qui est cafetera, qui c'est cafetier, pinça, qui c'est pince, ok, estufa, qui veut dire réchaud, talam de dou, estufa, on va dire calefactor, et calefactor, il dit estufa, mais estufa c'est réchaud, chauffer, ok, réchaud, tout ça pour chauffer, bah, vous faire manger, il dit estufa, ya? Yeah? Et là, je vais vous en bas. J'aime dire, non, il dit que les facteurs en espagnol. Quand je dis, là, je dis réchaud, à chauffage, juste à réchauffer caillou, on va dire estufa. Je suis du tout que les facteurs. Mais vraiment, c'est que les facteurs pour chauffage, pour réchaud, il dit c'est estufa. Ya, qui veut dire réchaud. Orno, qui veut dire fou, c'est pas fou. Et là, on dit mon fou, non? Là, on dit mon fou, on dit ça loco. Mais ça orno, qui c'est du fou, ça veut faire manger, on dit orno, qui veut dire fou. Ok, tapa,
par tasse qui c'est tasse, basso qui c'est verre. Verre et pas couleur verre non, et pas la couleur non, c'est verre ça ou boit de l'eau ou bien ça ça ou ka boit de crémance tout ça yo et boit de jus de champagne tout ça, yo dit basso qui c'est verre. OK. Oya si c'est chaudière, cuchillo, couteau, licuadora, licuadora qui c'est blender, ya, yeah? Blender bagay pour faire gym tout monde comme ça. OK, bouteille qui c'est bouteille, cassuela, casserole, OK, petit casserole bagay pour petit bébé, petit monde quoi. Yo dit c'est cassuela qui c'est et casserole. OK? On poursuit colador qui c'est passoir, colador passoir, récipiente qui c'est vaisseau ou bien récipient. OK, récipiente ya yeah? Et cubeta OK qui c'est couvette qui c'est bouquet côté cubeta. OK, non pas de ma faute c'est caméra pour nous carrel ya on dit cubeta qui c'est bokit, pala qui c'est pelle, cajon qui c'est tiwa, cajon qui c'est tiwa qui dans closet yo bien quelconque non parti tiwa ou aller ou met ti bagay yo, yo le dit cajon qui veut dire tiwa. OK ya yeah. Et hervidor de agua, hervidor de agua qui ça veut dire chauffage de l'eau, a dit yo ti matériel ou pour capable chauffer de l'eau l'homme besoin petit café ou bien quelqu'un qui ont besoin d'un petit bagage, besoin d'un petit de chauffer, dit hervidor de agua. Ainsi se prononce hervidor de agua. Ainsi se dit c'est. OK. Dernier sac dans le vocabulaire qui se capte ça qui c'est esponja qui veut dire éponge. Esponja qui veut dire éponge. Éponge. Qu'on y a là nous voilà bah ou 10 phrases pour nous capables faire suite. Nous bah ou 10 phrases avec même mot ça. Nous bah ou 10 phrases dans le radio bout pour nous capable bien mettre dans ambiance, d'accord? OK, je note pour mettre n'a pas ou 10 phrases pour nous et avec même vocabulaire ça nous saut dire. OK, mais 10 phrases yo, en espagnol c'est dit c'est frases qui traduit en espagnol en créole frasio, frases, frasio. OK? Et première phrase a dit mi amor, me puede, mi amor, me dejaste jabón en el baño. Mi amor, me dejaste jabón en el baño? Ça son phrase en question. Qui dit en créole, mon amour, ou bien amour moi, ou te quitte, ou bien ou te mette savon en baño? OK? Mi amor, me dejaste jabón en el baño? Ou te quitte savon en baño pour moi? OK? C'est mi amor, ou te quitte savon en baño pour moi? Ya? Yeah? OK. Deuxième phrase aussi, voy a abrir la puerta de la casa para que pase el aire. Voy a abrir la puerta de la casa para que pase el aire. Fois ça dit en créole, moi pla l'ouvri porte kay la pour vent capable passer bien pour l'air capable passer. Souvez du bal ouvri porte kay la pour l'air capable passer ou dit comme ça en espagnol, voy a abrir la puerta de la casa para que pase el aire. Ya? Ayer. Troisième phrase, ayer hice limpieza en el salón. Ayer hice limpieza en el salón. Qui t'a dit en créole? Hier, moi t'ai fait nettoyage dans le salon. OK? Hier, moi t'ai fait nettoyage dans le salon. Comment dit ça en espagnol? Ayer hice limpieza en el salón. Yeah. Quatrième phrase, me puedes prestar la pinza y el cuchillo? OK, me puedes prestar la pinza y el cuchillo? Qui t'a dit en créole, ou capable prêter pince et couteau? Ou capable prêter pince avec couteau et puis couteau? OK, c'est comme ça. Cinquième phrase, siempre ya siempre tiene que mantener limpio las cucharas y el tenedor. OK? Siempre, ya, siempre tiene que mantener limpio
Las Cuchadas y El Tenedor, qui gardien créole, c'est pour toujours, ou bien toujours kembe, ok? Toujours, ou bien capable de dire, fuck ou toujours kembe, couteau yo avec fouchette, pas couteau non, qui est yo avec fouchette yo pro, ok? Toujours kembe, fouchette yo avec couteau yo pro. Ok, mais comment faire ça? C'est simple, tiene que mantener limpio las cucharas y los tenedores. Ok, tu vas mettre obligé à mettre los tenedores. Ok, la sixième phrase. Hay que lavar los platos con detergente. Ok, hay que lavar los platos con detergente. C'est-à-dire en créole. Il faut que lave platio avec liquide. OK, faut que lave platio avec liquide. Septième phrase là, la lámpara del salón está apagada. La lámpara del salón está apagada. Qui veut dire en créole? Lamp salon li éteint. OK? Lamp qui dans salon li éteint. OK? Lamp ki nan salon li eten. Et c'est sa phrase là li traduit. On nous prend l'autre trois phrases yo pour nous finir avec vous. OK. Huitième phrase. Antes de salirme, tengo que poner desodorante y perfume. Ya, perfume. Wow. Ya. Antes de salirme, tengo que poner desodorante y perfume. Qui traduit en créole? Perfume. OK? Qui fait ça en créole? Avant moi sortir, moi dois mettre désodorant avec parfum. Désodorant et parfum. OK? Avant moi sortir, moi dois mettre désodorant et parfum. Antes de salirme, tengo que poner desodorante y perfume. Ya. Yeah. Et neuvième phrase, ninguna habitación de mi casa tiene llave. Ninguna habitación de mi casa tiene llave. Qui veut dire que aucun ou bien pas aucun habitation ou bien pas aucun chambre nan kay mwen qui gagne clé. OK, pa yo ken chanm nan kay mwen yo, nan kay mwen ki gen kle. Dixième pou nou termine, mi apartamento tiene tres dormitorios, OK? Es tres dormitorios y un comedor y una cocina. OK, c'est samedi la, apartman lan li gen 3 chanm a kouche, li gen yon sal a manje. Et puis, il y a une cuisine. OK? C'est ça. Phrase ça, li traduit. OK? C'est mi apartamento tiene tres dormitorios, un comedor y una cocina. OK? Nous espérons que vous retenez apprendre un peu de bagage ensemble avec nous. Nous promettons. Et ça, vous avez besoin de faire. C'est regarder, pour capable bien mémoriser. Chaque fois que vous regardez, regarder, pour capable bien mémoriser si que vous voulez parler espagnol. Restez avec la paix. Bon, j'ai pas oublié toujours commenter pour dire non si tu avais à faire son bon travail. Son email, sou ou apprendre, fais nous compte ça dans commentaire. Je n'en pile moun yo écrit direct, yo dit ça privé, mais n'a besoin tout dans commentaire. D'accord? Merci, nous espérons que vous été avec la paix. Bon Dieu, nous promettons n'après encore dimanche si Dieu veut dans amour capable. Dimanche si Dieu veut, si bon Dieu veut, n'après encore que bon Dieu n'a moule capable bénir nous. Ciao ciao, c'est Nelson Daphnol accompagné de Extravenson TV et l'équipe.